Mais c'est elle. Non, s'il vous plaît, je vous demande sincèrement, mesdames et messieurs, ovationnez très fort pour cette dame. Je vous le demande, s'il vous plaît. Cette dame que vous voyez là, ça fait exactement 10 ans qu'elle prie chaque matin son Dieu pour qu'il lui envoie un jour un meilleur garçon. Mesdames, laissez-moi vous dire que c'est moi. Et je suis l'enfant unique de mon père, sincèrement. Et en plus de ça, vous voyez leur réaction, ce sont les jaloux, hein. Ne les écoutez pas. Non, sincèrement, on va faire un petit test. Si vous reconnaissez que je suis le plus mignon garçon ce soir dans cette salle, ovationnez très fort, je vous vois. Vous voyez, non? C'est ce que je disais. Ce sont des jaloux vilains. Alors, bonjour! Est-ce que ça va ce soir? Alors, moi, on m'appelle Ange de vie. J'ai choisi d'être Ange de vie et non Ange de la mort. La raison est simple, parce que j'aime beaucoup la vie. Je dors, je bois, je baise. Et aussi, j'ai l'habitude de taper la tête du voisin. Sincèrement, ce truc, ça fait un bien fou. Tape la tête de voisin pour voir. Ah? Toi-même, tu veux faire ça? Et je ne sais pas si c'est parce que j'ai choisi ce prénom qu'il y a des choses bizarres qui m'arrivent. Sincèrement, l'un est comme fou. Les choses me coupent très souvent. Par exemple, il y a 2 semaines de cela, j'étais sorti comme ça de ma maison et qui je rencontre un petit. Le petit était exactement comme ce tonton-là. Non. Pardon, il était un peu plus pygmé que vous. Et là, le petit me fait « Bonjour tonton, je dis bonjour, ça va ?» Il fait « Oui, ça va. Tonton, vous savez quoi ?» J'ai dit « Non. » Il fait « Tonton, je suis Tolegba. » Je dis « Attends, tu es Tolegba. » Et là, le petit me fait « Ah, tonton, vous n'avez pas appris la nouvelle? Vous n'avez pas appris le décès tragique, prématuré, triste de notre cher, regretté cousin, oncle, désormais fait père, le Tolegba national de Godomé? Oh, tonton, mettez-le coup moi! Seigneur, Seigneur! » Voici un gars qui parle du Tolegba et qui appelle le nom du Seigneur. Est-ce qu'il ira au paradis? Et du coup, il prend ma main comme ça et fait « Seigneur, Seigneur, faisons 1 minute de silence à la mémoire de l'illustre disparu. » Il veut que moi, je fasse 1 minute de silence pour le Tolegba. Est-ce qu'il est normal? Et je le regarde, je fais « Tais-toi là. D'abord, dis-moi, le Tolegba, là, il est qui pour toi? » Et là, il me regarde et fait « Tonton, c'est mon oncle. » Et du coup, mesdames et messieurs, sincèrement, le petit jeune palais, si vous le regardez, il ressemble très, 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 très bien à un Tolegba. C'est que, je ne sais pas comment il a fait, mais il a porté la laideur dans son corps. Et ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que 4 jours après cet incident, à nouveau, je sors de ma maison et qui je rencontre le même petit. Et pour une deuxième fois, il fait « Bonjour, tonton, vous savez quoi ?» J'ai dit « Oui, je sais, tu es Tolegba. » Il dit « Non, tonton. Cette fois-ci, je suis Toboula. » J'ai dit « Attends, tu te fous de moi là. Tu es Tolegba. » Il dit « Non, tonton, je suis Toboula. » Ok, raconte. Et là, le petit fait « Ah, tonton, franchement, si vous voyez actuellement notre Toboula national, il est vraiment dans pain. Hein. Il est dans pain. Attends, tu veux me dire que ceux qui l'ont déguerpi l'ont transformé en pain ?» Et là, le petit me regarde, il fait « Tonton, venez. » Je viens faire « Vous là, vous êtes bête. Hein. Avec votre grosse tête là, vous ne comprenez rien quoi. » C'est pas ça. Ce que je disais, c'est qu'actuellement, si vous voyez Toboula, il a complètement maigri. Et Hugo, fou. Attends, tu veux me dire qu'il est malade ou bien on lui a coupé son salaire? Non, si c'est le cas, il n'a qu'à crier. Et le petit me regarde et fait « Tonton, justement, il est aux criettes. » Et je dis « Attends, dis-moi petit, c'est quoi le criette ?» Et il me fait « Tonton, le criette, c'est la cour de répression des inflations économiques et du terrorisme. » Petit, donc tu veux me dire que Toboula, c'est un terroriste? Et là, le petit me regarde, il fait « Tonton ». Il me regarde du haut jusqu'en bas. Il fait « Tonton, vous là, je vois que c'est votre taille qui vous dérange. Pourquoi vous êtes bête comme ça ?» Donc moi, on n'a qu'à dire ça pour me retrouver aux criettes. Et du coup, mesdames et messieurs, j'ai essayé de faire le lien entre Toboula et Tolegba. Parce que c'est bizarre quand même. Voici Tolegba national qui meurt et Toboula qui se retrouve aux criettes. « Tonton, il y a un lien ?» Non, non, pardon, ne répondez pas. Je ne vais pas finir mon spectacle, on va dire « Hé, petit là, viens ici. Pauvre Maurice là, criette. » Il est directeur, il dit. Et bizarrement, en venant ce soir pour ce spectacle, mesdames et messieurs, pour une troisième fois, j'ai rencontré ce même gamin. Et cette fois-ci, il me fait « Bonjour, tonton. Vous savez quoi ?» J'ai dit « Oui, je sais. Tu es Toboula ?» Il dit « Non, tonton. » Cette fois-ci, je ne suis ni Toboula, ni Tolegba. Je ne suis rien du tout. Je suis juste venu pour vous dire bonjour. Et ce soir, mesdames et messieurs, j'aurais pu être ce rien du tout sans vous ce soir. Mais avec vous, j'ose espérer que j'aurai été quelque chose. C'est pourquoi, du fond du cœur, je vous dis à nouveau bonjour. Merci.